C'est parti, coup d'envoi donné par Benjamin Urdapilleta pour le Castres Olympique qui va essayer de se racheter une semaine après sa lourde défaite à Dublin face au Leinster. Encore 10 minutes dans cette première période, 6-0 pour le Castres Olympique face à Northampton. Cette deuxième journée de la Champions Cup de rugby. Urdapilleta croise pour Eberson. Premier ballon depuis son retour. Et encore Alex Toulou qui est parti. Oh, quelle percée d'Alex Toulou et qui va trouver David Smith. Et le premier essai. Premier essai du match inscrit par David Smith sur une percée majuscule d'Alex Toulou. Ouais, qui est venu au cœur de la défense de Northampton. Ça joue pour Northampton. Il reste 2 minutes 30 dans cette première période. Et encore une fois, bon contest dans l'axe. Magnifique. Qui sont dans le tempo de la Coupe d'Europe, ce sont eux qui dictent le tempo dans ce match. Bien fait, Cocotte, il n'y a personne. Cocotte qui sera peut-être premier sur le ballon, oui, c'est une occasion d'essai. Cocotte à 5 mètres de la ligne. Ah, il n'a pas essayé de donner ce ballon, il a voulu prendre l'intérieur sur le dernier défenseur. C'est pas terminé, Tichy est en puissance, soutenu par ses partenaires, et c'est cool dans le but. Et c'est oui ou non, Monsieur Davis qui cherche du regard le ballon, et qui l'accorde. Il accorde, deuxième essai pour le Castres Olympique. Il est l'œuvre du pilier Antoine Tichit. Oui, venu à hauteur, aidé par ses camarades, apporté dans la but. Et Northampton subit en cette fin de première mi-temps. Cocotte, on va jouer dans le fermé. Urdapilleta l'a sauté jusqu'à Alex Toulou. Ah, bien pris par North. 5 mètres encore à parcourir pour aller marquer peut-être le troisième essai avec Antoine Tichit. Les Castres sont bien revenus dans cette deuxième mi-temps. Cocotte avec ses avants, Victor Moreau très actif aussi, le deuxième ligne. Allez, sur les extérieurs, si on lâche le ballon. Allez, on va y aller vers l'extérieur. Urdapilleta l'a sauté. Eberson. Et le retour intérieur de David Smith. Le troisième essai de Castres. Ouais, Eberson qui a embarqué les deux défenseurs de Northampton. Et le doublé pour David Smith. Et Smith qui a croisé, c'était parfait. Alors récupéré par Asitwala. Dixon qui cherche une solution, il trouve Ratouni Yarawa. Foden qui essaye de s'infiltrer au cœur de la défense de Castres. Dixon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Anglais en position d'aller marquer un essai. Pourquoi pas Hutchinson et Wood. Le voilà l'essai inscrit par James Wilson. Ouais, rien à dire. À 8 minutes de la fin, le premier essai des Anglais, les premiers points des Anglais dans cette partie, 27-5. C'est pas grave, ça ne gêne à rien les Castres d'aller chercher le point de bonus offensif. Dupont. Ah, on fait du large, on cherche les extérieurs. Ah oui, c'est bien fait, Brice Mack encore. On n'a pas pu aller vers l'extérieur, mais belle charge dans l'axe, signé Brice Mack. Montez, Toulou, Dumora, Smith. Allez, Smith qui a passé les bras. Et le voilà l'essai. Le voilà le quatrième essai. Inscrit par Alexandre Bias. L'essai du bonus offensif. Il arrive à la 74e minute. Bonheur total pour les Castrés aujourd'hui face à Northampton. Ils ont fait plus que se relancer dans cette Coupe d'Europe avec ce point de bonus offensif. Avec la manière aujourd'hui, et notamment à David Smith. Qui Allez, Dupont, les canons Dupont qui il va y aller seul. Et qui va y aller tout seul. Le cinquième essai avec le plongeon du gamin. Son premier essai en Coupe d'Europe. La victoire est totale. Ah, Northampton a explosé comme du popcorn. Dixon, Myler. Avec Heywood et là en avant, le dernier en avant. C'est fini. Qui met fin à ce match et les applaudissements du coach Christophe Furios qui peut féliciter ses hommes qui ont été très bons aujourd'hui. 5 essais et le bonus offensif décroché par le Castres Olympique qui se relance complètement dans cette Coupe d'Europe.